Chauffez votre maison. Préparez des aliments nutritifs. Fournir de l'eau potable à votre famille. Trois besoins essentiels du quotidien auxquels plus de 60% des personnes en Afrique subsaharienne doivent répondre en utilisant du bois énergie. Les villes africaines grandissent rapidement, car les gens quittent leur milieu rural en quête d'opportunités. Ceci génère une demande énergétique en forte croissance de la part des citadins, particulièrement sous la forme de charbon de bois. Si elle n'est pas contrôlée, la production de bois énergie peut avoir des conséquences néfastes sur les forêts et les zones boisées, entraînant la déforestation, la dégradation des forêts et la réduction des services écosystémiques qu'elles fournissent aux communautés. C'est pourquoi le CIFOR ICRAF, soutenu par l'Union européenne, a identifié des zones prioritaires en Afrique subsaharienne en vue de développer des chaînes de valeur plus durables du bois énergie. En développant des stratégies fondées sur les preuves et s'inspirant des résultats observés, le CIFOR ICRAF vise à fournir des connaissances utiles au gouvernement et autres parties prenantes sur les solutions pour développer des chaînes de valeur durables de bois énergie en Afrique subsaharienne.